savez, la difficulté dans la lecture de la poésie, ce sont les ruptures. Parce que lorsqu'on rentre dans ce type de texte, on est imprégné, là en soi, et on essaie de le délivrer selon son interprétation. Et la pire des choses, c'est d'être coupé, reprendre, parce que tout ce que vous dites, c'est intéressant. On se concentre sur autre chose et on revient après sur un texte qui ne sont pas toujours faciles à exprimer, qui est différent d'une lecture narrative. Bon, allez, j'essaye. Isabelle alentour, je t'écris fenêtre ouverte. Je deviens un peu folle. La preuve, mon corps, ma tête, mon cœur ne sont plus mon corps, ma tête, mon cœur. Juste un chamboulement. Mon cœur à travers la croisée qui rejoint les étoiles. Là où je te pense, là où nu, je te découvre, me manquant. Et mon bras sans pensée qui s'élève et se geste, une main qui approche la peau, sans savoir si ce doigt qui effleure, d'abord, comme s'il n'osait pas, ne se souvenait pas. Et puis qui, et ce doigt qui se pose sur la bouche et qui touche et qui glisse, une lèvre, la deuxième, et savoure et puis caresse, encore, et ranime de loin, de très loin, souvenir enchanté. Le baiser, Richard. Je me tourne vers toi et rêve dans ton sommeil. Les lèvres tempèrent la démesure, en adoucissent les contours. J'aime ce mot contour, et je veux que tu gardes mes lèvres sur les tiennes et leur goût, leur constance, pour toi. Et leurs gestes, patients, ravivant les contours de ce moment heureux, où tu as pris ma main et les mots qui venaient avec. Je pourrais te parler sans fin de la lumière de ce matin-là, de son élan, de son ardeur. Mais je préfère les mots écrits. Les mots. J'aime quand ils s'étendent, quand ils se couchent sur la page bleue. Alors s'écrit ce qui ne s'est jamais écrit. Le parcours d'un ray de lumière. Et pour finir, tu sais, je ne pouvais pas savoir l'absence. Aujourd'hui, l'ombre de ton souvenir est un ciel dans le ciel. Chaque jour, elle croît et continue à me recouvrir. Bien après que le soleil ne se couche, quelque chose de toi, avec moi, quelque chose de moi, inconnu, avec toi, disparu. Merci à vous. Merci. Merci. Merci de nous. Philippe Guinet, donc passeur de mots, qui nous lisait des extraits du recueil de poésie d'Isabelle Alentour. Je décris fenêtres ouvertes.